deux mots d'expérience qui m'ont aidé, ou bien on vit pas autant avec eux, qui m'aillent à créer un petit espace jardin, un petit potager, que eux, avec le moyen qui m'ont aidé, ou même. Avec la pluie, le cyclone, qui tout le monde a une pénurie, le mois aussi. Alors, quand nous avons un petit coin qui est couvert chez nous, ben, l'espace qui nous donne nos moyens, nous capables d'être autonomes. C'est-à-dire, nous avons un petit coin, nous n'avons pas besoin d'attendre, comment dire, dans le marché, gagner ce bon produit-là, ou capable de gagner une fine herbe, un petit peu de légumes, des affaires qui nous bien besoin de temps en temps. Alors, nous capables de créer nos propres coins et les possibles pour faire. Longtemps, du monde, tu peux planter que dans la terre. Tu peux gagner aussi un bon résultat. Maintenant, on a beaucoup de différents mélanges, pour dire, médium, mélange, du même affaire. Alors, qui est capable de nous meilleurs résultats. Il y a un médium qui est capable de pas planter là-dedans et pas besoin d'arroser tous les jours. Alors, très peu d'arrosage, il y a un petit coin de soleil, un petit espace contre nous et nous pouvons gagner un meilleur résultat. Pour être autonome, il y a beaucoup, quelques étapes qui nous viennent par ça. Nous avons un petit peu d'expérience, pas une grande expérience, mais quelques expériences de planter. Nous avons équipé nous avec quelques pots. Moi-même, ma propre expérience, quand je suis bien jeune, je suis pensé planter, je ne plante pas une jolie. Alors, ce qui, dans mon esprit, je peux dire que peut-être pas la main verte. Mais pas vrai. Et dans mon jeune camarade qui est dans le domaine, qui est dans l'expérience, je pose question. Qui est l'erreur qu'il m'avait fait? C'est pas l'erreur qu'il nous fait, nous mélange d'abord. Nous mélange la terre, nos médiums qui nous va servir, et que la technique qui nous va servir pour planter, c'est ça même l'erreur qu'il nous fait. Bon, c'est nous connaissons la vraie technique, n'est pas aussi difficile que nous dans l'école, dans l'institution, pour apprendre. Nous allons apprendre chez nous. Par exemple, il y a beaucoup de monde en dessous de la cage, il y a un espace de 2 mètres peut-être, ça fasse les autres murs là. Il y a beaucoup de types de pots, il y a beaucoup de systèmes qu'on peut faire, un tuyau, il y a beaucoup de systèmes qu'on peut faire pour qu'on ait un peu de plantes qui vous servent pour la cuisine. Ça c'est dans le seeding tray. Nous faisons une semence, une engrais dans le seeding tray là. Et là nous tirons là-dedans quand nous poussons, nous transférons dans les autres pots pour que ça va hanger. Par exemple, ça là, on va servir dans un petit espace qui est là. On va suspendre un système de crochet, on va suspendre, on va servir. Deuxième, ça va dans l'espace vertical comme on explique tout là. L'eau ça mûre que vous pouvez et dans la couture, vous pouvez mettre beaucoup comme ça. Et là, il y a différents plans que vous pouvez mettre. Et troisième, il y a un peu. Il y a un peu qui, bon, nous avons acheté ce prix, pas cher, mais nous avons acheté définitivement. Vous pouvez transférer vos plans que vous faites sémence, vous pouvez faire un cutting que vous faites. Et dernier, il y a un peu. Il disait pas PME tout, vous avez un bac, vous avez un bac qui coûte très bon marché et une pré-polie qui est très important pour une ferraine pour mon projet. Nous coupons le persil, tout le temps le persil un petit peu en hauteur de ce base. Comme ça, on nous l'arrose aussi, et un petit coup d'eau qui est resté et pour aider nos plantes. Ça peut là, il va retenir une petite couche d'eau au bas. Alors, il va nous rendre un service. Une plante, ben, c'est comme un être humain. Elle a besoin de des choses primordiales pour grandir. Premièrement, elle a besoin de minéraux. Donc, les minéraux essentiels pour une plante, ce sont l'azote, le phosphore et le potasse. Ces trois minéraux sont essentiels pour le développement de la plante, le développement des cellules et pour que la plante puisse produire des fleurs et des fruits plus tard. Ensuite, la plante a besoin d'eau. L'eau est très importante pour aider ces minéraux justement à être transportés par les racines dans la plante
et l'eau aide aussi à rafraîchir les plantes pour qu'elles puissent rester à une température convenable pour le bon développement. Enfin, les plantes ont besoin de lumière afin de pouvoir produire la nourriture nécessaire qui aidera à former les fleurs et les fruits plus tard. Il y a plusieurs types de semences que nous faisons. Bon, la plupart nous servent presque même médium. Nous servons la terre, nous servons cocopit et nous servons compost. Maintenant, nous commençons par mélange. Nous servons compost. Nous servons cocopit. Un cocopit qui fin. Et un très peu de terre. Mélangez bien. Après, nous mettons dans nos seed trays. Bien mélanger nous la terre, nos compost et nos cocopites. Le bien mélanger. Et là, nous transférons dans nos seed trays. Maintenant, nos seed trays, il faudrait qu'ils nous soient remplis 100%. Nous remplirons 50% parce que nous avons pour mettre un petit pouce quand nous finissons, mettons-nous la graine. Voilà. Maintenant, nous traînons pareil. Nous parlons vers semences. Nous avons différents types de semences. Nous avons cotomilly, nous avons bread, nous avons tompous, nous avons céleri, bread blanc, laitue. Aujourd'hui, nous avons un petit logement qui est moins cher, qui est disponible un peu partout dans le marché. Peut-être qu'on a stédi ou garde semli, nous pouvons faire une démonstration avec laitue par exemple. Alors, ça veut dire que vous répétez même affaire pour vendre les autres semences que vous prenez dans votre trait. Quand on finit de mettre la graine dans le plateau, et là, nous mettons une petite couche. Nous pouvons mettre une petite couche de compost, la terre et cocopite. Alors, voilà. Nous faisons légèrement. Juste pour couvrir ça va dans la graine là. Voilà. Il n'est pas difficile. Après, quand on finit faire, nous mettons un petit arrosage avec un sprayer. Nous servons un petit sprayer, nous arrosons. Ça c'est bon, ça vous commence à germer dans peut-être une semaine. Tout dépend comment on peut occuper. Et dans une semaine, les infinis commencent à germiner, qui commencent à germer. Alors, on ne peut pas arroser tous les jours. Si vous trouvez la terre déjà humide, on va bien remettre de l'eau. C'est-à-dire, vous faites ça, l'exercice pendant quelques jours. Maintenant, nous terminons nos seedlings. Nous avons fait différents types de plantes par la graine. Maintenant, il y a encore un autre type de plantes, par exemple, on dit thym. Vous avez du thym, la menthe. Qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je coupe dans une plante, comme on coupe un poignet de thym, comme ça, pour servir. Alors, 50% pour servir. Voilà. Voilà. Ça, je vais garder. Je vais servir ça pendant plusieurs jours. Maintenant, ça va être ce qui est dans là. Je ne vais pas mettre lit. Maintenant, nous prenons lit. Nous mettons dans nos mélanges. Bon, ça la terre là, il y a une terre qui n'est pas pareil comment nous le faisons pour ces bons. Ces bons, il est un peu plus soft, il est plus aéré. Ça a un petit peu la terre, un pourcentage de terre qui en plus. Alors, ça veut dire qu'il y a une terre pareille pour planter.
Maintenant, ça l'exercice que je vais faire là, il pour plusieurs items, comme la caisse d'oignon, quand on servit, on déjà servi la caisse d'oignon, on passe de sa petite bout au bas là, sa bout de racine là, ou garde, ou quand on servit la menthe, comme ça, ou quand on servit romarin, quand on finit de servir sur un bâton, ou servir sur une feuille, ou servir sur que bâton, ou pique-le dans la tête, comme on fait là, après un mois ou un mois et demi, voilà, vous prenez du temps comme ça. Bon, ça qui me fait, moi, mettre plusieurs cheese. Vous pouvez séparer dans différents pots. Voilà, même bien de la pluie, quand on mettait dans une place un peu épongée avec la pluie, alors, on a encore une jolie plante de thym. Maintenant, ça du thym là, quand on peut servir maintenant, alors, je suis content de donner une petite démonstration, ou pas couper au bas complètement. Si on veut sa plante rester et sa plante a des mois pour servir, voilà, au couple en haut, là. Right? Ça veut dire que la plante continue à rester et vous pouvez servir du thym. Ça veut dire que si on a différents pots, aujourd'hui on servit dans un pot, après demain on vient dans l'autre pot et sa plante va continuer à pousser. Maintenant, un avantage qui est là, vous ne pouvez pas mettre en pleine. Open air parce que du thym, tout le monde connaît, il y a une période qui du thym se prend une chair parce que quand il y a trop de la pluie, du thym est endommagé. Ce va fait y aller, il reste que bâton, le datan. Maintenant, si vous gardez dans une place shade, combien de la pluie est tombée, du thym encore fresh. La semence, il vient de un mot latin ou même du grec qui signifie germer. Alors, ce terme-là, il est également donné pour l'agriculture, c'est-à-dire nous semer pour qu'il nous capable récolter. Nous comprenons à travers ce programme-là que semer est très important et qu'il nous capable également semer à la maison pour qu'il nous vienne autosuffisant. Maintenant, avec beaucoup de plaisir, moi, je suis content de partager avec vous. Quand je explique vous, je conseille vous, je me mets en pratique. Quand moi, je suis la caisse d'oignon à l'abondance, je ne pas besoin moi, je suis du thym, je suis la menthe. Voilà. Maintenant, vous suivez moi, je vais vous montrer où, ce qui est là avec moi. Dans mon jardin, vous trouvez parmi toutes les autres plantes, on a un pot qui me met kimchi. C'est ça qu'on appelle là les Chinois. Nous servons dans mine, dans le frire. Et ça, nous, on a des façons. Nous pouvons faire pour seedling et nous pouvons rassler, nous casser en plusieurs petites, nous partager. Là, nous piquons dans le pot et nous continuons à multiplier dans le pot. Là. Vous trouvez là, mon couplet là-haut. Ce n'est pas une vraie technique, ce n'est pas bon. Parce que les Chinois dans la terre, il faut tordre pour multiplier. Voilà, ça n'a que ça que vous avez fait. Vous passez au couteau complètement dans la terre. Pas de tracas. Pas encore au col détruire, non. On élimine, on voudrait plus ou couper dans la terre. Et dans quelques jours, vous trouverez réapparaître. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer où les autres items. Par exemple, nous avons la menthe, nous avons du thym, qui nous a déjà dans le pot. Je vais vous porter ça avec vous. Voilà, quand tout à l'heure, la petite chose en haut, va une plantation verticale. Bon, ici, on a une plantation que je vais faire, il y a une aquaponique.
Mais même affaire, on est capable de servir avec la terre, un petit arrosage dans mon pot. De la même façon, on est capable, au lieu qu'il y ait aquaponique, on servir tout mon tuyau, on va servir mon petit pot, dans mon médium, on va servir pitmus. On a même le mélange que je vous montre, on servir dans mon pot, voilà, en vertical. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de pot, on va mettre différents items. Il y a une semaine, la pluie, 10 jours, la pluie. Regarde-moi la menthe, il y a un pays qui est mort, c'est pas prendre la menthe. Regarde ça la menthe là, il y a un tac, et il est que dans de l'eau. Et il y a un moment qui la menthe disparaît, mais nous encore dans la menthe. Regarde la quesoignon qui m'ont planté. Il y a une partie la quesoignon, ben cuttings qui m'ont mettre dans mon pot. Voilà, regarde ça. Je vais quand même montrer où est notre pot, qui est en hauteur, en bas, il y a OK, c'est dans l'onnier. Je vais mettre dans une stand, je vais dans la menthe. La menthe aussi pareil, dans pot en hauteur, mais il y a l'abondance. Ça veut dire que même on a un manquement de la menthe. Même la pluie tombée, whatever. Alors, nous avons la menthe disponible. Et la fontaine, c'est une construction généralement accompagnée avec un bassin de l'eau qui coulait. Il est capable d'une la fontaine naturelle qui est alimentée par une la source et fait partie d'un réseau de distribution de l'eau avec une la pompe. Maintenant, moi, j'ai envie de partager une petite affaire encore avec vous. Qui m'a dit nous avons créé un petit espace, nous avons la fontaine qui nous a mis à l'intérieur ou la case, qui amène beaucoup d'harmonie, la paix. Maintenant, nous avons beaucoup de types de fontaines qui nous permettent à l'intérieur ou la case, ou capables de mettre à l'extérieur, dans un petit coin du jardin. Il y a beaucoup de types qui nous permettent d'installer. L'I active ban bonnes ondes et aussi favorise ban zone de lumière dans la case ou soit dans la cour. La fontaine est très décoratif et un peu comment dire qu'on peut énoncer la fontaine dans l'espace, dans la cour, dans la terrasse, dans la maison. Il est vraiment, pour nous dire en anglais, le peace of mind. Il amène beaucoup la paix d'esprit. Qu'on peut assiser, qu'on peut méditer. Une relaxation plutôt pour vous. Il y a un besoin maintenant pour la nature. De nos jours, la fontaine décorative est encore très demandée. D'après le Feng Shui, l'I au-delà de cet aspect décoratif, l'I ramène de la positivité. Au jet d'eau, on peut décorer avec. Maintenant, on a beaucoup de types de plantes qui peuvent mettre autour du pun. Alors, on a beaucoup d'idées. Plus on peut décorer, on a un son de l'eau.